Ah là là, qu'est-ce que j'aime Ryan Reynolds. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Sprizat, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film Free Player, un film qui sortira début été 2020. Un film comique avec Ryan Reynolds, réalisé par Sean Levy, producteur et réalisateur de certains épisodes de Stranger Things. C'est un film de la Walt Disney Company, mais je crois que c'est un film de la 20th Century Fox, donc en soi, c'est un film de la Walt Disney Company. C'est un film Disney avec Ryan Reynolds. Super, ils sont en train de nous préparer à Deadpool 3. C'est donc un film comique, action. Je ne sais pas du tout de quoi parle ce film. Alors il est temps de découvrir cette bande-annonce hyper longue. Au moins 3 minutes cette bande-annonce. C'est énorme. Allez, c'est parti, lumière moteur, ça tourne, réaction. Générique. Free Player, bande-annonce, c'est parti. Par le studio qui vous a présenté La Belle et la Bête, Aladdin et le Roi Lion, yes. Deux fois. C'est drôle, c'est vrai. Wow, wow. Deadpool. Le lundi c'est pourri, Joa. C'est comme un jeu vidéo. C'est pas une bonne journée, mais une super journée. Hey Bud, tu crois pas qu'il doit forcément y avoir mieux? Mieux que quoi? Que tu subis jour après jour. Les fusillades. Les accidents. Oh, la prise d'otage. Tout le monde en terre, même ça sort. Il est temps que ça change. Salut. Oh yeah. Non, fais pas ça, Guy. T'es pas comme ça. Ah, maintenant si. Il se repose. Il repose en paix. Cet homme est mort. Oh, c'est un jeu vidéo. Waouh. Oh, monde de réalité virtuelle. C'est un monde de réalité virtuelle. Excusez-moi, c'est ça qui se passe quand on prend de la drogue? Ah. Ce monde, c'est un jeu vidéo. Eh oui. Oh. Plein de méchants. Il y a rien qui marche. Ah. Take away Titi. Serpent à sonnette. Oh. C'était Jokery. D'être le gentil, Guy. Oh. Flingue dans ta poche? Non. C'est quoi? C'est deux flingues. Oh. Oh. Je veux pas être le gentil guy. Je veux être le super gentil guy. D'accord. Et ben, tu profites de ton stock inépuisable de virginité. Et bravo. Oh
Je sens que ça va être un putain de bon film ce truc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur cette bande-annonce? Elle est parfaite. Ok, donc, ah oui, bah c'est vrai, bah je suis con moi. J'ai oublié de vous lire le résumé, bien sûr, je ne l'avais pas lu avant. Donc en fait, le résumé, c'est un employé de banque découvrant un jour qu'il n'est en fait qu'un personnage d'arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne et décide de devenir le héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire. Évoluant désormais dans un monde qui ne connaît pas de limites, il va tout mettre en œuvre pour le sauver à sa manière avant qu'il ne soit trop tard. Et en fait, pourquoi ils disent Free Guy, enfin, pourquoi ils disent le gentil guy dans la bande-annonce, c'est parce qu'en fait, en anglais, le film s'appelle Free Guy, le gentil quoi. Alors que dans la version française, ça a été transformé en Free Player. Alors, on comprend un peu mieux que c'est parce que c'est un jeu vidéo avec player, mais pourquoi ne pas avoir gardé Free Guy ? Aucune idée. En tout cas, c'est vraiment une très belle bande-annonce. Longue, mais franchement, tu le sens pas, quoi. T'as l'impression que c'était rapide. Oh, bien sûr, Ryan Reynolds, inutile de le représenter, hein. Il est tellement drôle. C'est un truc de fou. Et ouais, donc par le studio donc, qui vous a présenté deux fois La Belle et la Bête, Le Roi Lion et Aladdin. Par contre, ils ont oublié aussi Le Livre de la Jungle, Dumbo et Cendrillon. Oui, bon, déjà dès le début de la bande-annonce, c'est vraiment très drôle. Les effets spéciaux qu'il y a là-dedans, c'est absolument fou. J'ai l'impression d'être dans Ready Player One là. Sauf que là, c'est un Ready Player One beaucoup plus comique. L'employé de banque, il va devenir un gentil héros, se battant contre tous les autres joueurs un peu méchants, mais en plus des petits joueurs méchants, il y aura un énorme boss, un boss final. J'attends énormément de ce film, il sortira en début été et je l'attends déjà avec impatience et voilà, c'est bon. Avec Ghostbusters 3, je sais exactement quel film je veux aller voir en 2020. Ouais. C'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux et à suivre toutes mes autres vidéos en activant la cloche. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Esprit Z, coupé.